Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 22 octobre. Ce soir, on va suivre des jeunes de Montpellier en plein exercice grandeur nature du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Étudiants spécialisés dans la gestion des inondations, ils sondent les riverains de la Sèvre nantaise sur leur connaissance de la vulnérabilité des maisons du quartier. C'est confirmé, pas de Tour de France en Vendée en 2015, pas de passage chez nos voisins non plus. D'ailleurs, les cyclistes iront directement de Vannes à Pau, une dernière édition pour le Team Europe Car qui ne se jouera donc pas à domicile. Et puis sortez les armures, affûtez les épées. Le château de Saint-Mémin propose aux plus jeunes un atelier paquetage du soldat. Une demi-journée pour se glisser dans la peau des guerriers du Moyen-Âge. Il se donne une semaine pour faire le tour des zones à risque aux abords de la Sèvre nantaise et voir si les habitants ont conscience des inondations qui se répètent régulièrement dans la région. Sur invitation de l'établissement public qui gère ce bassin, une poignée d'étudiants montpelliérains est en fait en train d'évaluer la vulnérabilité des habitations. Une démarche qui a évidemment une résonance toute particulière moins d'une semaine après la fin du procès Xynthia, procès au cours duquel il a justement a été beaucoup question de l'absence d'anticipation. Pierre Dalicieux. D'où on vient? On vient de là-bas. Ce serait des 12? Moi, je pense que c'est des 14 et que c'est pas dessus. Premier objectif, se repérer. Ces étudiants en deuxième année de master, spécialisés dans la gestion des inondations, viennent de Montpellier et ne connaissent pas forcément la région. Mais peu importe, leur mission, réaliser un diagnostic de vulnérabilité sur le bassin de la Sèvre nantaise. Est-ce que vous pensez vivre en zone inondable? Oui ou non, ou ne sais pas. Oui, bah oui. Anthony et Dominique ont une centaine de bâtiments à inspecter, tous en zone inondable à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui voit régulièrement sa rivière sortir de son lit. Les questionnaires seront remis à l'établissement public qui gère le bassin de la Sèvre nantaise. Des données qui serviront plus tard à mieux prévenir et mieux protéger les populations concernées. Nos deux étudiants, dont cet exercice grandeur nature comptera pour leur examen, ont en même temps le sentiment d'être utiles. Ça va servir à la commune, hein. C'est pour refaire les plans de sauvegarde, pour voir qui est inondé, qui ne l'est pas, pour qu'on puisse éventuellement les prévenir en cas d'inondation. Donc oui, j'espère que ça leur rendra service effectivement, mais ça nous rend service à nous aussi. Voilà, ça nous apprend la réalité du terrain. Bonjour. Les habitants, eux, ouvrent volontiers leurs portes et livrent leurs expériences, car tous ou presque ont déjà vécu une inondation. Cette opération, il la voit plutôt d'un bon œil, comme cette habitante qui estime ne pas être très au courant des procédures à suivre en cas d'alerte. Ça faisait tout un tour là, ça faisait le tour du truc vert. Il y a des choses où on n'est pas trop au courant, mais il y a d'autres choses où du coup on essaye de faire avec et avec les moyens qu'on a, quoi. Donc peut-être qu'un peu plus d'informations pourraient nous aider, quoi. En tout, aujourd'hui, Dominique et Anthony auront questionné une vingtaine de foyers. Les personnes les plus âgées restent les plus riches en anecdotes sur les crues passées. Pour eux, une véritable mine d'informations. Mais c'est toujours bon d'entendre l'expérience de personnes qui ont vécu une ou plusieurs inondations, mais là en l'occurrence plusieurs inondations, parce que ça donne quand même beaucoup d'indications sur comment ça se passe, sur comment le vivent les personnes. Hors de notre questionnaire, on note quand même quelques petites choses aussi par rapport à tout ce que ce monsieur va nous dire, entre autres. 26 communes des Deux-Sèvres, de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et bien sûr de la Vendée seront visitées par une vingtaine d'étudiants jusqu'au 28 octobre. Le but, ne pas empêcher les inondations d'arriver, mais apprendre aux populations à mieux vivre avec. Et donc, vous l'avez entendu, très concrètement, les données récoltées par ces étudiants permettront ensuite à l'établissement public de voir quels travaux réaliser pour prévenir et anticiper les futures inondations. Météo délicate, procédure de contrôle de sécurité défaillante, manque de coordination, toutes les hypothèses sont envisagées par les enquêteurs depuis la mort de Christophe de Margerie, le PDG de Total disparu dans le crash de son avion privé à Moscou. Alors, on parlait hier soir des liens qui l'unissaient à la Vendée, c'est à Mareuil-sur-Lay, dans le château de la famille, que sa maman Colette a accouché de Christophe en 1951. Un lien affectif avec la Vendée qu'il ne l'a jamais vraiment quitté, comme en 2012, quand Christophe de Margerie décidait de faire partie des premiers membres du cercle vendéen. Le souvenir que je garde, c'est d'abord quelqu'un qui était attaché à ses racines, parce que quand on a lancé le cercle vendéen, j'avais eu la surprise finalement de le voir arriver sans qu'il me prévienne finalement. Hein. À la première réunion de fondation du cercle, il était présent. Ensuite, il a tenu à donner la première conférence
Alors, on a eu des sujets d'opposition, bien sûr, avec les RICA, mais jamais, lorsque j'ai déposé mon texte de loi sur le préjudice écologique, jamais il n'a tenté de profiter de cette proximité géographique pour m'influencer. Sans en connaître encore la date, on sait d'ores et déjà que Christophe de Margerie ne sera pas inhumé en Vendée, mais dans la Manche, là où il avait une propriété. Couvrez-vous bien et anticipez les fêtes. Prendre un rendez-vous chez le généraliste entre Noël et l'an sera peut-être difficile. Une partie de la profession annonce en tout cas un mouvement de grève entre le 24 et le 31 décembre. Une fermeture de leur cabinet pour protester contre le projet de loi de santé de Marisol Touraine. Un projet de loi qui envisage notamment la vaccination par les pharmaciens. Le fait que l'on demande à l'heure actuelle, que l'on propose aux pharmacies de pouvoir effectuer des vaccinations, d'où forcément un suivi qui sera plus dispersé, et la non-revalorisation de la consultation médicale qui reste à 23 euros depuis 2011, alors que nous avons de plus en plus de tâches à gérer, qui nous demandent du temps administratif et l'emploi de secrétaire. Qui n'a pas rêvé un jour de tourner la page et de changer radicalement de vie? Eh bien certains, comme Gisèle, osent faire le pas. Il y a un an et demi, cette ancienne salariée de la grande distribution se lance dans le maraîchage, une reconversion professionnelle qu'elle ne regrette absolument pas. Anthony Jamin. Alors tu prends la plus belle, tu vois. À l'aube de ses 40 ans et après 17 ans de carrière dans la grande distribution, Gisèle Limousin plaque tout. Un matin, je me suis dit non, là, il faut que tu fasses quelque chose parce que... Si tu bouges pas, tu changes pas de vie, dans 10 ans, tu y seras encore. Et puis non, je supportais plus d'aller travailler, quoi. C'était la boule au ventre. Hein. Elle passe alors son brevet professionnel, responsable d'exploitation agricole. Achète des terres, investit 50 000 euros et devient son propre patron en maraîchage bio. Bon, j'ai eu des doutes, hein, parce que l'installation était compliquée. Hein. Voilà, il faut trouver du foncier, un banquier. Beaucoup de choses compliquées. Mais bon, jamais le regret de me dire non. C'était dit, c'était comme ça, quoi. Je ne me voyais pas faire autre chose, de toute façon. Dès qu'il le peut, David, son mari, lui donne un coup de main et l'aide à positiver dans les moments de doute. On est épanoui, on est heureux d'avoir créé notre truc à 100%, tous les deux, avec le soutien de la famille, avec les enfants et tout. Puis voilà, la preuve, les clients viennent, reviennent. Vendu sur l'exploitation sous le nom J'aime ses légumes, la production de Gisèle rencontre très vite ses premiers adeptes. Personnellement, le jardin m'a jamais été une passion. Hein. Eh bien, on s'est dit, une productrice qui se lance dans ça doit mériter d'être encouragée. Moi, je veux du naturel, je cuisine, donc je veux du frais, du local. Enfin, ouais, c'est une conviction pure et dure. Quand ils viennent la première fois, on se dit bon, on est toujours content de voir un nouveau client. Mais le nouveau client, quand il revient deux fois, trois fois, ben là, c'est super, quoi. Un peu moins d'un an et demi après son installation en maraîchage bio, Gisèle compte une vingtaine de clients réguliers. Des clients à qui elle veut accorder du temps. Et pour cela, elle le sait, son entreprise devra rester à taille humaine. Voilà. Quelques images maintenant du collège Jean Rostand aux Herbiers, du nouveau collège, même si beaucoup de générations sont passées par cet établissement depuis sa construction dans les années 60-70. 3,5 millions d'euros de travaux, notamment en rénovation des ateliers ou encore en accessibilité pour faire face à l'augmentation du nombre des inscriptions. C'est une nécessité pour la ville, pour les collégiens surtout, et c'est une chance pour la ville également, parce que ça permet de pouvoir accueillir des collégiens, des nouvelles familles qui veulent inscrire leurs enfants ici. Le nombre d'enfants accueillis à Jean Rostand augmente d'année en année, donc il fallait répondre à cette demande, hein, cette demande qui était forte par rapport au nombre d'élèves qui croît chaque année. Il fallait aussi moderniser le collège, il fallait qu'il soit plus fonctionnel et adapté aux outils du moment. Cette saison, avec l'approche de la Toussaint, Montaigu recevait aujourd'hui les 11e assises départementales du patrimoine funéraire. Alors un rendez-vous annuel qui peut paraître un petit peu décalé, mais qui permet à chaque fois de mettre en valeur un aspect de cet héritage. En 2014, gros plan sur la place du végétal avec la visite du cimetière du Prieuré aux abords de Montaigu. Ce cimetière-jardin, dans la poésie de sa lumière, de ses plantes, de ses arbres, de l'intimité de ses petites alcôves de tombes, est tout à fait propice à la sérénité. Et c'est un peu ce que nous voudrions déclencher, un autre regard sur le cimetière, où l'on va
Non pas seulement faire mémoire des êtres que nous avons aimés, mais faire mémoire de l'histoire de la cité. On le disait en titre, pas de Vendée au programme du prochain Tour de France. Une grande boucle qui part des Pays-Bas le 4 juillet et qui se cantonne après finalement au nord-ouest puis au sud-est du pays avant de rallier Paris. Alors d'un point de vue purement sportif, c'est un parcours qui devrait quand même servir la formation vendéenne du Team Europcar. Très satisfait parce que le passage des pavés va créer un petit peu de tension. Donc nous on doit savoir le gérer. Donc ouais non, ce tour est bien dessiné, peu de contrôle à moins, donc on a un petit avantage. Quand l'Ouest est oublié, un peu moins cette année sans doute, mais ça veut dire qu'il sera bien servi plus tard. C'est ce qu'on espère. Alors évidemment, d'un point de vue touristique, évidemment, cette fois-ci, ce tracé laisse une sorte de grande diagonale du vide de la façade atlantique jusqu'à l'Alsace. Un petit peu frustrant quand même pour les amateurs de la région. C'est un petit peu malheureux pour nous, pour les fervents du cyclisme en Vendée, dans le département. Ça booste le nombre de licenciés, ça booste les organisateurs, ainsi que les spectateurs qui aiment voir les champions évoluer en terre vendéenne. Et c'est vrai que pour nous, tous les 4 ou 5 ans, avoir ce type de manifestation fait du bien à notre département au nombre de licenciés. Donc à retenir, départ du Tour de France 2015 le 4 juillet, arrivé à Paris 3 semaines plus tard, le 26. Et puis une petite consolation quand même, je vous rappelle que Chantonnay accueille le championnat de France en juin prochain. Fini la Coupe de France pour le hockey sur glace lyonnais. Le Ogly recevait Brest hier soir pour les 16e de finale, mais l'équipe a finalement dû s'incliner avec un sévère 9-0. À chaque vacances, c'est le même problème. Comment faire pour occuper les enfants et leur éviter de passer trop de temps devant les écrans? Eh bien, avant de fermer pour l'hiver, certains monuments organisent des ateliers. C'est le cas du château de Saint-Mémin qui s'est intéressé cette semaine au paquetage du soldat. Cyril Guillet. À chaque vacances scolaires, chevaliers et princesses en herbe montent à l'assaut du château de Saint-Mémin. Une visite ludique pour les enfants et les parents qui débutent par un petit jeu de piste où, armés de leurs boucliers, les jeunes visiteurs doivent répondre à une série de 9 questions. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils tirent à l'arc. Voilà. Donc c'est les archers. Les archers. Et tu en as trouvé des archers? Oui. Combien? 6. Aujourd'hui au château de Saint-Mémin, on a fait le choix de ne pas mettre de scénographie ou de muséographie à l'intérieur du château. On essaye de faire revivre les lieux et de replonger les visiteurs au Moyen-Âge, donc de leur faire découvrir comment se passait la vie à cette époque-là. À votre avis, si on était pour qui, les Français ou les Anglais? Les Français. Français? Vous êtes sûr? En fait, ça dépend des périodes. En 1370, on est du côté des Anglais. Après quelques explications sur l'histoire du château et les familles qui s'y sont succédées, place à l'animation du jour, la présentation du paquetage d'un homme d'armes à la fin du Moyen-Âge. Bon, ce que j'ai dans les mains, c'est un épieu de guerre. C'est comme la lance, sauf qu'il y a deux petites pattes de chaque côté. Cette année, la thématique, c'était un tambour guerroyer avec un point d'interrogation. Donc la guerre fait partie du Moyen-Âge, comme toute époque, mais elle est très présente au Moyen-Âge. On pense toujours à la guerre de 100 ans, mais la guerre, ce n'est pas que des champs de bataille et des combats. C'est aussi, derrière, il y a plein de choses. Il y a une logistique, une intendance, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a plein de choses. Et souvent, on oublie tout l'envers du décor. Plus que les armes et les armures, l'accent est mis sur les objets du quotidien de ces soldats, même si ce n'est pas ce qui impressionne le plus. Les armes, l'armure, les vêtements. C'est marrant. Le temps de cet atelier, les enfants ont pu se glisser dans la peau d'un de ces soldats, un rêve qui devient pour certains réalité. Même nous, quand on était très petits, être un jour chevalier ou autre, ça nous faisait toujours rêver. Et ça, je pense que ça fait toujours rêver les enfants. Après, voilà, il n'y a pas que les chevaliers, il y a plein de choses intéressantes sur le Moyen-Âge. Et comme dans toutes les bonnes histoires de château fort, le trésor n'est jamais très loin, une belle récompense pour les plus braves de ses visiteurs. Alors si vous êtes intéressé, prochain et dernier atelier pour le château de Saint-Mémin, mardi
prochain. On y reviendra plus largement demain, mais à quelques jours de la sortie en librairie du Go Emilio 2015, c'est confirmé. Le chef Nicolas Coutant des Genêts à Brême-sur-Mer fait bien partie de la prochaine promotion Jeunes Talents. Sa réaction dans le journal de demain soir. D'ici là, on jette donc un œil au temps justement de demain. Ce jeudi devrait être dans la continuité du milieu de semaine, à savoir un temps relativement ensoleillé avec des températures de saison. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.